Allez, salut à tous, c'est Mafia 130 et bienvenue dans ce 26e épisode de ce playthrough sur The Elder Scrolls V Skyrim. La dernière fois, on s'avait quitté dans ce petit village et on devait aller jusqu'à, que je me trompe pas, au sanctuaire de la confrérie noire pour commencer cette guilde. J'ai un peu réfléchi. Attention à la magie. J'ai un peu réfléchi et je me suis dit, est-ce que je vais faire la guilde directement l'entièreté? Ou est-ce que je vais faire par petit parti? J'en ai aucune idée. On va déjà voir si. Parce que je trouve que ça va faire un peu long si on fait que l'histoire de la confrérie noire tout le long pendant tous les épisodes. Je pense que ça va faire très long. Ça va même vous ennuyer ou quoi. Non, 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 il faut que j'esquive cette intrigue. Parce que je sens sinon. Ça me perturber. C'est par où? C'est par où? Me dis pas qu'il va me forcer à aller par. Le GPS se fout de moi. Attendez, je vais faire par moi-même parce que là il se fout de moi le GPS. Bon, on va le faire par soi-même. J'aurais peut-être dû prendre mon cheval, c'est pas grave. À pied, c'est toujours mieux, on connaît. Enfin, soit. Alors, par ici. Voilà. On arrive. C'est nickel. Mon Dieu! Et le code, c'était. C'est dépressif le truc. Quel chant de la vie. Silence mon frère. Bienvenue chez vous. Merci. Y'a mec là tu dis silence. Il t'ouvre la porte. Tranquille. Tu vas rentrer dans ce petit truc. Hop. On est parti. Terminé. Adressez-vous à Astrid. Bah voilà, voilà petite Astrid. Elle a enlevé tout son déguisement et tout le bazar. J'espère que vous avez trouvé facilement. Ouais, c'est bidon. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, vous commencez votre nouvelle vie au sein de la confrérie noire. Vous faites partie de la famille, après tout. La famille, comme vous pouvez le voir, ceci est notre sanctuaire. Vous ne trouverez pas d'endroit plus sûr dans tout bord de ciel. C'est... Je sais même pas... Cœur des silences. Oui, le silence vous va bien. Cela vous confère un air mystérieux. Mon cul, ouais. Maintenant, au travail. Je suis en train de vous arranger une mission. En attendant, allez voir Nazir. Il aura peut-être plusieurs petits contrats pour vous dépanner. La mère de la nuit arrivera bientôt. À ce moment, les choses deviendront à coup sûr bien plus intéressantes. Si tu le dis. Ah, une dernière chose. Voici un cadeau de bienvenue. Donne. L'armure de la confrérie noire. Ouh. Qu'elle puisse vous servir dans toutes vos entreprises. Yeah. Mauvaise fréquentation. N'oubliez pas de vous présenter aux membres de votre nouvelle famille. On va voir si c'est bien. Nazir après. Alors. Ça a l'air moins bien, mais. On va le mettre, bot signil. Cool signil. Je pense que ça, je vais pas le mettre par exemple. Gant signil. En fait, c'est beaucoup plus fort ce que j'ai, mais. Ils sont tous impatients de faire votre connaissance. Attendez. On va essayer de voir. Je ressemble à rien avec ça. Attendez, on va enlever la vieille cagoule de je sais pas quoi. La gouleuse. De ne toujours pas avoir de contrat de ouais, si ça passe déjà mieux. En fait, c'est à la goule que je ressemblais à rien avec ça. Ici, je ressemblais un peu plus à quelque chose. J'ai pas enlevé mon arc. Je l'avais pas mis ça, l'arc. Ah si, deux. Ah non, c'est les flèches. Les flèches. Ah non, ça j'ai pas mis. Attendez, on va juste essayer de retirer les flèches. Alors, arme. On va mettre en favori. Voilà, et on va mettre le numéro, on s'en fout, on va mettre le 9. Le 9. Bah oui, ce sera. On va voir comment ça donne. Ouais, ça passe. J'ai peur de ne toujours pas avoir de contrat de ouais, ça passe, allez. Avec mon épée, ça donne quoi? Ouais, ça passe.
D'accord, d'accord. Attendez. Alors voilà. Oh, quelle jolie petite fille. Elle voudrait un bonbon, la mignonne. Oh oui. Et pourquoi pas plutôt du chocolat? Chocolat. Oh oui, très bien, très bien. Qu'est-ce qu'il fait noir là-dedans? Oh, comme vous êtes jolie. Votre beau sourire. Vos dents. Vos dents. Non. Ah. C'est pas Coeros qui fait marquer. Oui, très bien. Très bien. Qu'est-ce qu'il fait noir là-dedans? Oh, comme vous êtes jolie. Votre beau sourire. Vos dents. Vos dents. Non. Je pense avoir compris ce que c'était. Et qu'en est-il de votre nouvelle petite amie, Armbjorn? J'ai entendu parler d'une cagite, d'une marchande, certainement. Et vous, Festus, comment s'est passé votre dernier contrat? Oh oui, s'il vous plaît, vieil homme. Amusez-nous avec vos récits de sorcellerie. Ah, voilà notre jeune imbécile. Toujours à railler l'expérience et l'intelligence. Mon contrat s'est fort bien passé, vous savez. J'ai essayé un nouveau sort. Ouais, il sait parler. Un petit truc sur lequel je travaillais pendant mon temps libre. J'étais à deux doigts de corriger ce prêtre. Ah, quel bâtard! Et qu'en est-il de votre nouvelle petite amie, Arnbjorn? J'ai entendu parler d'une cagite, une marchande, certainement. Oh, un gros chien qui court après un minou. C'est mignon. C'est trop chou. Ça fait pas rire, en fait. En fait, je suis là, hein. Hello. Je ne suis pas adorable. C'était pas drôle. Et il était pas marchand. Mais c'est qui me snob? Un moine cagite. Un maître de la technique du murmure de crocs. Je maintenant suis... Maintenant, il est mort. Et j'ai un nouveau pagne. Oh, ça passe. Ça passe, ça passe. Ah, vous avez fini? Hello. Oh, comme il m'esquive. Hey. Alors, vous êtes le nouveau membre de notre petite famille dysfonctionnelle. Yes. J'ai beaucoup entendu parler de vous. C'est plaisir de vous rencontrer. Épargnez-moi les politesses pour le moment. Je suis gentil, quoi. Je ne compte pas nouer des liens avec quelqu'un qui pourrait mourir demain. Puh. Si vous êtes toujours t'as parmi nous dans quelques semaines, je suis sûr que nous pourrons être amis. Et bien sûr que je vais encore être dans quelques semaines vivant. Atri m'a dit que vous aurez du travail pour moi. Vraiment? Yes. Eh bien, il se trouve que j'ai effectivement quelques contrats dont je n'ai pas encore eu le temps de m'occuper. Et j'en reçois d'autres de temps en temps. Je vous les confierai au fur et à mesure et vous pourrez les accomplir à votre gré. D'accord. Ça m'a l'air assez facile. Évidemment. Pour être honnête, ce ne sont pas des assassinats très importants. Et la paye n'est pas glorieuse non plus. Mais au moins, ils vous occuperont. L'argent. Faites de votre mieux. Inutile de vous presser, les cibles n'iront nulle part. Ils bougeront pas. Vous pouvez rendre vos contrats un par un à mesure que vous les terminez. Ou bien attendre que toutes les cibles aient été éliminées. C'est vous qui voyez. Je les tue tous. Leur part. Ah, je recherche une formation. Je vous apprendrai à l'utiliser efficacement. Et à conserver votre agilité. Si tu le dis. Là, j'aurais dû se garder avant. Raté. On recommence. Faut bien que... que je tente, hein. Combien? Où êtes-vous? 33, ça va être dur. 33, ça va être dur, ça va être dur. On va tenter. Yes. Yes, yes, yes. On se garde. Vous tentez. Je vous apprendrai à l'utiliser efficacement et à conserver. On tente. 34 maintenant. Fragile. Yes. C'est reparti. Ouais. Je yes. Vous apprendrai Sir. À l'utiliser efficacement et c'est à gratuité. Conserver votre. Yeah. Tranquille. Ah maintenant c'est tranquille. Je vous apprendrai. Bientôt on va être level up. Efficacement et à conserver votre. Level up, level up, level up. Vous que les... Je vous apprendrai à bientôt niveau 100 vous êtes et à conserver votre agilité. Ouais ouais. Je te prends encore ton argent. Yeah. C'est épique. Vous êtes c'est toujours tout. Là. Que se passe-t-il? J'attends ma première série de contrats. Dans ce cas, ne perdons pas de temps. J'ai 3 contrats pour le moment. Vos cibles sont Narfi le mendiant, un ancien ouvrier de Syrie du nom d'Enodius Papius. Et Béthilde, propriétaire d'une mine. Lorsque vous aurez rempli ces 3 contrats, j'en aurai peut-être d'autres à vous proposer. Ok, c'est... je vais faire du moins important vous au plus avez important. Des gens à tuer.
Mieux vaudrait vous. Ouais, si tu le dis. On va mettre en vigueur. On équilibre un petit peu. Guérison et moyen, divisé par deux. Non, ça j'ai déjà fait, divisé par que. 25. Je peux pas. Para, non, deux mains, une main, archerie. Archerie, j'ai encore rien mis, je pense. Les arcs infligent 30% de dégâts, ok. Bon, on va faire ça. Hop là! Tching! Au travail. Voilà. Bon, avant, on va un peu parler aux gens qui sont ici. Bienvenue dans notre sanctuaire, mon frère. De la viande crue. Vous avez fait le bon choix. Oh, ma charmante épouse m'a tout raconté à votre. Il y a un mot de puissance! Dégage! J'ai bien. Et souvent. Mot de puissance! Yeah! Allez! Donne-moi le mot de puissance! Hey! Le mot! C'est une blague? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Attendez, ça a fonctionné ou pas? Est-ce qu'il n'est pas marqué ce que j'ai eu ni rien? Marque mortelle. Si bien ça. Attendez, on va revenir. Qu'est-ce qu'il va me remettre? Gens, vous êtes toujours là? Dans ce cas. Aussi, ok, ça c'est bon, ça c'est bon. Là je devrais refaire, ça n'est pas grave, je les referai après. On va devoir faire. Là je suis tout prêt. Pourquoi ça compte pas? Attendez, avant je l'ai ou pas le cri? Ah non, c'était bien marque mortelle en fait. Vous êtes toujours là. Oh, j'ai fait connerie. Aussi, lorsque vous aurez rempli ces trois contrats, j'en aurai peut-être. C'est bon ou pas? Vous proposer. C'est bon. Oui, c'est bon. Casse-toi. Casse-toi. Tant de contrats et si peu de temps. Ouais, si tu le dis. On va vite se repêcher de remettre en vigueur archerie. Hop. Ok, ça c'est fait. C'est peut-être parce que il faut qu'il fasse tous les trucs. Tuer lui. Enodius par abuse. Tac tac tac. Tuer Benzi. Tac tac tac. Pendant ce temps-là. On va faire l'épée, mais moi je le brûle. Je brûle tout ça. Même les cibles. Je brûle tout, je brûle même le feu. Il n'y a plus assez de feu. Bon, enfin soit. On y retourne. Dégage. Est-ce que ça va être épique ou pas cette fois-ci? Ah si, ça y est. Notre puissance a pris. Marque mortelle. On va le déverrouiller. Marque mortelle. Ah, j'ai pas su. J'ai pas assez tué de dragons. C'est vrai que j'en ai pas encore battu beaucoup. Bon, maintenant on peut parler. Ouais, blablabla. Oh, ma charmante épouse m'a tout raconté. Vous ne savez rien de moi ni de quoi je suis capable. Je vous donne une semaine avant que vous ne finissiez à l'agonie dans un fossé. Ok, pas étonné. Qu'est-ce que tu peux me dire sur toi? Écoutez, si vous essayez d'apprendre à me connaître, évitez-vous cette peine. Je ne vous aime pas et je ne vous aimerai jamais. Belle affaire, moi non plus. Ça n'a rien de personnel, mais ma femme vous fait confiance et je me fie à son jugement. Alors vous ne devez pas être si terrible que ça. Voilà tout ce que vous avez besoin de savoir. Je suis un loup-garou. Rien à foutre. J'adore tuer. Astrid. Je déteste les casse-pieds, et le bleu est une couleur qui me donne mal à la tête. Ah bon, ça me pas tous les deux. Tous les trucs quadrillés, j'en ai horreur. Nouveau frère, du fond du cœur, je vous souhaite la bienvenue. Ah, elle est plus gentille celle-là. C'est apaisé vous rencontrer Gabriel. On ne peut pas dire que vous manquez d'énergie. J'ai hâte de suivre vos progrès. Hein? Que tu peux me dire sur toi? Quelle étrange question. Eh bien... J'aime l'éclair de lune, aussi. Les longues promenades sur la plage, pareil. Le tricot et les licornes. Les tricots et les licornes. Un soir de clair de lune, je me suis promenée longuement sur la plage et j'y ai vu une licorne que je me suis empressée de poignarder avec une aiguille à tricoter. Ah, c'est gore. Son simple. Oh, raffiné. Oh, c'est gore. Oh, les gore, cette fille. Même toi avec des yeux pareils. Oh, les gore, la fille là. C'est, on dirait du sang. Est-ce que c'est ta main et ton sang ou... Oh, elle est ignoble cette fille. Ah, la petite fille.
Mais je ne pense pas. Aux apparences. Je suis plus âgé que vous. Nous t'es un petit peu. Bien plus âgé. C'est ce qui arrive quand on se fait mordre par un vampire à 10 ans. Oh. Qu'est-ce que tu veux dire sur toi ? Je suis qu'une petite fille. La confrérie noire a tué ma maman et mon papa. Bien et sûr. Ils m'ont fait prisonnière. Aidez-moi. C'est vrai. S'il vous plaît. Oh non. C'est convaincant, non ? Ah ! En vrai, je ne suis pas plus une petite fille que vous. Je l'ai été, bien sûr, il y a des siècles. Le vampirisme a pour avantage de bien conserver les chairs. Ah ah. T'aurais dû être plus vieille. C'est aussi gratifiant que dangereux. Voyons ce que je peux vous montrer. Attends avant. Sauvegarde rapide. Mon apparence enfant. Ça, je te reprends ton argent, maman, toi. Dangereux. Voyons ce que je peux vous montrer. Non ! J'ai hâte d'entendre les détails sur votre Ah oui, forcément. Nouveau membre de la famille. Je vais vous faciliter les choses. Considérez-moi comme le vieil oncle grand. Forcément, puisque c'est une petite fille, je peux pas la voler. Oh non, elle va me prendre tout mon argent. Voyons ce que je peux vous montrer. Oh, c'est dégueulasse. Ah, oh, je peux même pas la voler. Ah, les araignées. Araignées. Sors vite ton arc. Saloperie. Saloperie. Oh. Ils m'en veulent. Mais c'était une araignée. C'était juste une saloperie. C'est une saloperie. Non, on va ranger ça. Tout le monde n'en a que pour les poignards et les flèches ces temps-ci. Ça dit, il est tout aussi facile de tuer quelqu'un avec un sort bien placé, vous savez. Qu'est-ce que tu veux me dire sur toi? J'aime à dire que je suis né avec une baguette magique dans la main. Uh-huh. Enfin, pas au sens propre. Ça aurait été un peu difficile pour... Quand même, elle aurait eu mal, hein. Et j'étais un véritable prodige. À l'âge de 1 an, je jetais des sorts simples, et à 3 ans, je récitais des incantations complexes. Oh, ta gueule, l'araignée. À 7 ans, j'étais même capable de ressusciter des morts. À 13 ans, j'ai accidentellement mis le feu à la maison familiale. Un éclair mal lancé. Cela dit, peu après, je maîtrisais totalement mes dons. Mmh. Je suis devenu professeur à l'académie, et j'en suis parti au bout de 2 ans. Trop simple, trop sûr. Personne ne comprenait vraiment toute la beauté de l'école de destruction. Ah, je me doute. T'as fini ? Merci. Allez donc me brûler, ce pauvre imbécile. Et tu le dis. Qu'est-ce qu'il y a par ici ? Y a personne ? Non. On va peut-être pas traîner aussi parce que... Un coffre ! Personne ne me voit. Pourquoi il me redit ça ? Bizarre. Pour 3 pièces d'or ? Tu te fous de moi ? Y'a rien. Commode. Assiette. Connerie, ouais. Bah non, y'a rien. Il l'a dit. Mais. Bon, on va sortir parce que sinon. On va essayer quand même de faire le premier meurtre avant la fête cet épisode parce que je vois qu'on est déjà à 18 minutes. Blablabla. Juste une chose. Parlez-moi de lui. Il habite juste à côté de la Syrie d'Anga, dans les bois. Il travaillait là-bas autrefois. Mais maintenant, ce n'est plus qu'un ermite paranoïaque qui est persuadé que quelqu'un veut sa peau. Ah bah. Pas si paranoïaque que ça, finalement. C'est sûr. Narfi. C'est un misérable mendiant qui habite dans des ruines aux alentours de Fort Ivar. Un jeu d'enfant. Narfi, c'est le premier que je dois tuer. Même pour vous. Et... C'est non. Un misérable mendiant qui habite... Oui. Elle s'est séparée de son mari il y a plusieurs mois. Maintenant, ils dirigent tous deux des mines concurrentes. D'accord. Bétilde est farouche et désespérée. C'est une battante. D'accord, d'accord. Bonne chasse. Merci, merci. On peut y aller. On sort son épée. Non, son épée, j'ai dit. Et on est reparti. Ah ouais, Lydia nous a pas suivi. Bizarre. Enfin, soit. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est que... Ben non, on va aller tuer le premier, c'est... C'est Narfi, j'ai déjà oublié. C'est Narfi, je pense. On y va, Lydia. Narfi. J'en ai deux quêtes. Non. Narfi. Où ce qui se trouve? Par là... Un Forivar. Je pense à... Hein. Oh, au cas où... Même si c'est pas lui, tant pis. Je pense, hein. Mon dieu, on va... Ouais, c'est lui.
Ouais, on aura juste assez de temps pour le tuer lui. Je vais essayer de le faire en discret pour pouvoir me faire repérer par des gardes, sinon ça craindrait en plus. Surtout si j'ai des trucs volés sur moi, on va vérifier ça. Tout. Ah. J'ai deux, trois petits trucs volés, ouais. Ouais, j'ai deux, trois petits trucs volés, ça m'arrangerait. Il n'y aurait pas de problème. Alors, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Ça va, c'est la nuit alors. On prend ça. Oh, il est tout seul là-bas. À l'aise. Il est où? Il est où? Il est où? Discret. Ouh. Ce garde rapide. Qui me voit? Qui me voit? Ah bah lui, forcément. Non, attendez. On va d'abord lui parler. Qu'est-ce que vous voulez? Supplie-moi, peut-être que j'épargnerai ta misérable existence. Oh, par les dieux, je vous en supplie, non? Oh non! Non, t'es pas marrante! On va essayer de l'autre. Mettre l'autre pour voir ce qu'il va. Par lui! Mais. Tant pis. Personne m'a vu. Ah si. J'avais pris ma jute à la prêche. Ah, on voit. Ça c'est le problème, c'est qu'on me voit. Et je voudrais pas justement qu'on me voit. Pour l'instant on me voit, pour l'instant on me voit. Ici on me voit pas. Là il me voit. Ah là il me voit pas, mais moi non plus. Et de dos on sait pas la voir. Prendre son arc déjà. Y'a que lui qui me voit ou pas? J'espère, on va voir. Oh, s'il s'allonge, c'est nickel ça. S'il s'allonge, c'est nickel. Allez, monte! Allez! Ah! Faut faire le tour. Y'a personne qui me voit. Faut bien que je touche sa tête. J'espère que ça va suffire. Ah, ça suffit pas. On va essayer à l'épée alors. C'est bon? Furtif? Furtif! Nickel. Hop, oh, non, tout ça, j'ai pas besoin. Allez, on s'en fait un. On s'en refait un, on s'en refait un. Et on fera le troisième. Au prochain épisode. Non, l'informer, non, ça m'intéresse pas pour l'instant, on s'en fout. C'était le deuxième, c'était... Attendez, je suis l'aube étoile et tu as pas trop d'amis. Non, c'est lui. Le suivant, c'est lui. Et il se trouve. Ah, je vois même pas l'icône. Attendez. Est-ce que je l'ai mise? Oui. Je sais pas, et vous la voyez, moi je la vois pas. Elle est là. Oh non. Il y a pas... Et l'autre est... Le type, il est proche ou pas? On va aller voir si l'autre est plus proche. Ouais, par ici. Tac, 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 tac. Aube étoile, j'ai jamais été. Bon, bah, ouais. On fera ça au prochain épisode parce que sinon ça va être trop long. En tout cas, j'espère que déjà cet épisode vous aura plu. On se retrouve dans le 27e épisode de ce playthrough pour terminer et tuer les deux. Les deux pauvres minables qui vont mourir sur ma lame ou sur mon arc, je n'ai encore aucune idée, mais ils vont mourir dans tous les cas, n'est-ce pas l'idiot, avec son hoche. À la prochaine, portez-vous bien.